Philippin, qu'est-ce que tu fais ici ? Gérald, ne pose pas la question si tu connais déjà la réponse. Ça te donne un air idiot. J'écoutais votre conversation, évidemment. Avec grand intérêt, je dois dire. Et un certain étonnement. Ah oui. Et qu'est-ce qui t'étonne ? Ta naïveté. Tu crois vraiment que Radovid va tomber dans un piège aussi grossier ? Ce ne sera pas simple, mais j'y arriverai. J'espère que tu prendras la chasse sauvage avec un peu plus de sérieux. À condition que tu survives à Radovid, bien sûr. Philippa, je ne comprends pas. Pourquoi t'intéresses-tu à mon sort ? Je me contrefiche de ton sort. Je veux juste que Radovid meure. Si tu ne veux pas de mon aide, tant pis pour toi. Mais je ne te laisserai pas tout foutre en l'air. Tiens, prends ça. Une bague ? Avec une aigle redanienne gravée dans le rubis. Elle appartenait à Vizimir, le père de Radovid. Si tu la lui donnes, il te croira peut-être. Peut-être même qu'il te fera confiance. Ça devrait aider. Merci. De rien. Crois-moi, je suis prête à faire bien plus encore pour éliminer Radovid. Bonne chance, Gérald. Tu en auras besoin.